Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon Sensen, mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Sujet effacé. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Niline. En quelle année? Répétez ça. Niline. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Pour la chaîne Imaginaire, on se retrouve sur un nouveau jeu pour un nouveau let's play de Remember Me. On va interpréter Niline. Donc c'est un jeu
français, qui était créé par Dontnod, qui n'a pas eu un gros succès à sa sortie. Je me souviens de rien. Pas un gros succès donc, comme je le disais, mais qui a suffisamment marqué quand même les esprits et fini par avoir suffisamment de reconnaissance pour que l'équipe de Dontnod puisse travailler et sortir Life is Strange. Un jeu que vous pouvez acheter pas cher. On va voir ce que ça donne. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Paris. Donc, je sais pas si on va voir de... Il y a vraiment des beaux décors de ville futuriste. Rien ne va. Pour l'instant, l'ambiance est plutôt sympa. En tout cas, le design, c'est pas habituel. C'est un genre d'entreprise qui capte les souvenirs des gens et les bancarise ou les efface apparemment. Nilin. Nilin. Tu m'entends? Oui. Ils vont t'effacer la cervelle, Nilin. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Ne me laissez pas seul. Ah, et vous voulez que j'aille où, les mecs? Avancez. Avancez, s'il vous plaît. Restez tranquille. Merci de faire la queue et d'attendre. Mise en quarantaine provisoire. Merci de passer. Restez en ligne. Ça a attiré leur attention. Nilin, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. Elle est pas en forme, hein. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Oh oh. Qui est ce mystérieux inconnu? Où suis-je?
tu y es presque. Glisse-toi dans un cercueil. Vite. Plaisir de voir des noms de français. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Niline, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis ? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Niline, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant! Ah! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Écoute, Johnny pleure. Hein, ami ou ennemi? Je pense que ça va te faire bizarre. Dans le dos là, qui par lequel passer souvenir qui a pas l'air en... bien en point. Douleur partagée maintenant, peur perdue maintenant. Ok, c'est des mecs qui ont moitié plus de souvenirs. Peur est partie. Pourquoi pas? Ami? Je suis pas de la tribu. C'est ça? La
Appuyez sur L et appuyez sur A pour effectuer une esquive. Alors le problème c'est que j'ai pas une manette classique, alors je me repère toujours entre le A, le X, le Y pour effectuer une esquive dans la direction voulue. Je ne veux pas me battre avec vous. Tu dois le faire, Nivine. Super agile, la gonzesse. Utilise tes pressènes. C'est-à-dire, appuyez sur 1 pour ouvrir le menu pressène. Et je crois... sur A pour ouvrir le combo lab. Pressène de puissance, inflige des cas supplémentaires. Au fil de votre progression, vous déverrouillerez des souvenirs de techniques de combat appelées pressens. Vos combos peuvent être personnalisés avec les pressens déverrouillés à droite. Combo à gauche par rapport aux pressens à droite. Important, le premier emplacement de votre combo ne peut pas être personnalisé. La séquence de touches d'un combo est prédéterminée et ne peut pas être modifiée. Les pressènes de puissance infligent de lourds dégâts, utilisés pour donner des coups dévastateurs. Construisez un combo de 3 coups avec les deux pressènes de puissance dont Lily vient de se souvenir. Sélectionnez un pressène avec L et appuyez sur A pour valider. D'accord, donc on le voit au milieu, c'est ce qu'elle fait. Ok. Maintenant, sélectionnez l'emplacement de combo dans lequel vous voulez placer le presence avec L et appuyez sur A pour valider. Faites de même pour le dernier emplacement de combo. Terminé, vous avez construit un combo de 3 coups composé de pressens de puissance. Ok. Conseil sur le timing des combos. Exécutez le coup suivant au moment où votre coup touche l'ennemi. Est-ce que je vois quelque chose avec la caméra déjà ? L'afficheur dynamique de combo situé en bas de l'écran indique les coups effectués ou permet de garder un œil sur la progression des combos. Oh, j'ai pris cher. Ok. Peu de mal avec le système pour l'instant, mais ok. C'est qui eux? Des Leapers, des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables, j'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen, des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Qui est là? D'accord, on peut sauter. Mettre un coup de pied, mettre un coup de poing, sauter. Ok, tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui ? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront.
Stendhal à la prison. L'administration vient d'avouer la fuite de la criminelle connue sous le nom de Nilin. C'est moi dont on parlait là, non? C'est sûr, le nombre d'erroristes en liberté est doublé pendant la nuit et ça ne dure rien de bon. C'est Maggie qui vous le dit. Scandale à la Bastille. L'administration vient d'avoir la fuite d'un criminel du nom de Nilin. Comment l'ennemi public numéro 1 a-t-elle réussi à déjouer l'amnésie carcérale de ce nouvel objet? Le fondateur du mouvement qui avait promis la réalisation. Une chose est sûre. Maintenez L et appuyez sur. La seule sortie, c'est par le haut. Edge, c'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slam 404. Le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. Attendez, je voudrais juste... Ok, mais sensibilité de la manette, j'ai le droit aussi? Apparemment, non. Bon, il croit toujours que je suis au clavier. Bon, c'est pas grave. Ok. Objectif actuel. Retrouver Tommy, d'accord. Les PMP, points de maîtrise procédurale, sont les ressources énergétiques nécessaires à l'auto-implant de nouveaux souvenirs procéduraux. Prochain palier, c'est les sortes de niveaux, ok. Les scaramèches sont de petits robots hautement polyvalents qui sont devenus de véritables insectoïdes autonomes. Ils se nourrissent de flux de données mémorielles ambiants. Ok, patch, sat, nano-agent thérapeutique qui augmente la résistance aux dégâts subis, une ressource de la force sabre, souvent subtilisée par les erroristes et dissimulée dans leur cache secrète. Focus boost, module pouvant être illégalement ajouté à un sensen afin d'accroître la jauge de focus procédural permettant à l'individu de lancer plus de S-presence à la suite, une ressource rare que les erroristes dissimulent dans leur cache secrète. L'objet Némis donne accès à la mémoire culturelle de Néo-Paris pour combattre toutes les formes d'ignorance issues des pertes mémorielles. Okay. Les Némis trouvés à travers les niveaux peuvent être consultés dans le journal. Alors, souvenir Némis. Okay. C'est le navire hôpital Nymphéa. Le Nymphéa est probablement le plus célèbre navire de guerre à avoir été reconverti hôpital spécialisé dans le traitement des infections mémorielles. Sous la direction du docteur Sébastien Quaid, cet établissement a acquis en quelques années une reconnaissance internationale. Il faut remonter aux années de la guerre civile européenne, 2040-2047, pour trouver l'origine des navires hôpitaux. Les pays dévastés avaient alors un besoin urgent d'hôpitaux de campagne mobiles dotés d'un système de soins complet, capable de traiter aussi bien les traumatismes physiques que physiologiques, psychologiques. Le recours à des navires de guerre s'est rapidement imposé. En Europe, une trentaine de navires de différents tonnages furent ainsi transformés
essentiellement des corvettes et des patrouilleurs, mais aussi 5 frégates et 2 croiseurs. Le célèbre navire-hôpital de Néo-Paris, renommé Nymphéa en 2060, était l'un de ces croiseurs. Désarmé au lendemain de la guerre civile, il fut remorqué jusqu'au centre de Paris et amarré près de l'île de la Cité pour devenir un centre public de rééducation post-traumatique. À la fondation de Néo-Paris en 2053, le Nymphéen demeure l'unique dispensaire de l'ancienne capitale en reconstruction. À partir de 2070, le docteur Sébastien Quaid y crée une unité de recherche et de soins pour les troubles mémoriels, financée par Memorize et par divers organismes caritatifs. Au fil des années, les différents services de chirurgie et de soins sont placés dans d'autres hôpitaux nouvellement construits, jusqu'à ce que le navire se spécialise uniquement dans la recherche contre les maladies mémorielles. Désormais, le Nymphéa met à la disposition de ses patients des protocoles de soins sans égal, directement issus des travaux et découvertes du docteur Quaid, et s'enorgueillit d'un taux de guérison supérieur à 75%. Chaque jour, ses équipes progressent davantage dans le traitement des abus mémoriels caractéristiques de la civilisation du Sunsen. Ouais. La viande pue. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. Ok. Alors, plutôt cool ce Néo-Paris. Hein. J'ai vu des images et j'avais trouvé vraiment l'esthétique du jeu très sympa. Ce mélange de, bah, du Paris ancien, là, on voit un vieux bâtiment. Avec des choses, ça fait très... Marrant, c'est pas du tout, c'est pas la même arche. En tout cas, je trouve que le niveau de détail est aussi important que celui de... d'un film comme Blade Runner où ça fait une vraie ambiance. Ah, c'est le mélange de Tour Eiffel et de Paris haussmannien. Et des mecs là, c'est pas très bon. On le court d'une manière pas très... L'animation est pas au top. Hein. Pas terrible. Bon, c'est quand même un jeu qui a... 3-4 ans, je dirais. Il faut lui pardonner. Alors c'est relativement directif. Hein. Vous attendez pas à ce que je puisse grimper partout au jeu. Pas être le cas. Voilà, on a le Sensen qui calcule plein de choses. Là. Là, pas là. Un néoriste a laissé le souvenir d'une cache à votre intention. Étudiez attentivement l'image et localisez la zone indiquée dans votre environnement. Il doit y avoir quelqu'un ici. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de souvenir là. Thank you.
Mais ça, c'est pour partir. Qu'est-ce que je suis censé faire? Un néoriste a laissé le souvenir d'une cache à votre intention. Étudiez attentivement l'image et localisez la zone indiquée dans votre environnement. Sur B pour ramasser le patch sat. Récoltez 5 patch sat pour ajouter un fragment à votre jauge de vie. Et je pense que c'était ça le cadeau. Pour effectuer un saut vers l'arrière, maintenez L dans la direction opposée au mur et appuyez sur A. Alors qu'on se batte encore. Ok, il faut qu'on se batte. Votre jauge de vie a atteint un seuil critique. Appuyez sur L pour ouvrir une minute sensen. Appuyez sur A pour ouvrir le combo lab. Ok, un combo de 5 coups est maintenant disponible. De nouveaux presets sont également disponibles, les presets de régénération. L'exécution d'un preset de régénération redonne des points de vie à Nilin. Insérez ces nouveaux presets dans vos combos. Scène de régénération. Ah, je peux plus sélectionner celui-là. La scène déjà utilisée sera retirée de son emplacement. Okay. On va le laisser là. D'accord, ça sera en appuyant sur la touche Y. Ok. Ah non, il faut que je prenne un presen X. Je comprends pas là. Ok, là, faut que je prenne un X. Ok. Ensuite, faut que je prenne un Y. Ok, donc il va falloir que je fluctue. Entre X, Y. Ça me donne 34 de régénération, 125 de dégâts. Autant que lui. Et par contre, il doit être plus dur à utiliser. J'avoue que j'ai un peu de mal. Utiliser le combo lab, ok. Effectuer un combo pendant des précédentes générations pour gagner de la vie. Je comprends pas.
pourquoi je peux pas... Faut que j'appuie sur quoi? Peut-être sur B? Putain, je fais du Y. Je fais rien. Pourquoi je peux pas faire le combo là? Effectuer un combo comprenant des plus. Ouais. Non mais là faut m'expliquer. Et tu as un combo comprenant des plus pré-scènes de régénération pour gagner les points de vie. Oui. Compris. Il faut que j'appuie sur Y. Il faut que je fasse Y, X. Ok. Non mais ça y est, j'ai compris. C'est pas simple en fait. J'ai eu plus grand mal d'enchaîner au bout de 5, c'est quand même très très compliqué. Ah, je comprends, c'est deux fois Y, je crois. Ouais, si c'est... Oui, il faut appuyer sur X, Y, X, Y. Ok. S'arrêter là pour cette première vidéo. Merci à tous. On se retrouve très rapidement sur Remember Me. Salut.